qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Nous avons eu, j'ai déjà fait un direct sur mes plateformes où j'ai eu à parler de l'effet du problème de Kone Zakaria. J'ai eu à dire, j'ai insisté, j'ai persisté là-dessus que Kone Zakaria n'a pas été arrêté. Je reviens, je redis, je réinsiste et je repersiste encore pour vous dire que Kone Zakaria, le rebelle de Alassane Dramane Ouattara, celui-là même qui a foutu la merde et le bordel pendant la rébellion, qui a participé à cette rébellion, parce qu'on a tendance à vouloir blâmer, voilà, les autres et ne pas blâmer ceux qui ont été, ceux qui ont réellement pris les armes, ceux qui ont dit officiellement haut et fort qu'ils ont participé et pour qui est-ce qu'ils ont eu à prendre, voilà, ces armes. Ce qu'on est Zakaria, je l'ai dit, je vois encore des personnes m'envoyer des messages, m'écrire dans mon messenger, m'appeler en me disant, la guêpe, non, on nous dit qu'il a été arrêté au Mali. On nous dit que non, qu'il était allé faire un truc, comment on appelle, déstabiliser le Mali. Et avec d'autres personnes, on les a arrêtés. Je le dis, jusqu'en ce moment, jusqu'à cet instant, Kone Zakaria n'a pas été arrêté. Mais qu'est-ce qui se passe au derrière de tout ça? Je l'ai dit dans mon direct que il y a une planification des arrestations des personnes qui dérangent Ouattara. Et je vous ai dit que Kone Zakaria dérange Ouattara dans le sens où c'est un témoin, un des témoins, celui-là même qui a affirmé ouvertement qu'il a pris les armes pour Ouattara. Celui-là même qui a affirmé ouvertement que les armes lui ont été données et que l'argent pour gérer la rébellion, il en a reçu à de fortes sommes. Voilà, pour pouvoir mener cette rébellion, voilà, pour Ouattara. Je l'ai dit que c'est quelqu'un qui dérange et qui dérange, qui va continuer à déranger Ouattara. Parce que Alassane Dramane Ouattara n'aime pas avoir, des personnes autour de lui qu'on peut utiliser dans le futur pour pouvoir mettre la main sur lui ou faire des arrestations. Coucou à tous mes abonnés au niveau de YouTube. Mes abonnés au niveau de YouTube, coucou à vous. Merci, merci pour le partage. Merci, sécurisez aussi mes directs avec assez de cœur et assez de likes. Je vous en prie. C'est la seule et l'unique manière de pouvoir garder l'authenticité et l'intégralité, voilà, de mes directs. Puisque nos pages Facebook, voilà, sont réellement fortement et violemment attaquées. Je l'ai dit, j'ai dit que Kone Zakaria n'a pas été arrêté. Mais Kone Zakaria est sur une liste. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? C'est de ça qu'il s'agit. En ce moment, Alassane Dramane Ouattara a eu à faire des arrestations de militaires. Je le dis. Ouattara a fait des arrestations de militaires. Il y a des militaires en ce moment et à cet instant T. Ça fait plus de quelques jours de cela et j'ai eu une information. Je vais la partager, je l'ai eu ce matin, je n'ai pas encore vérifié, voilà, l'information, je le redis encore. Je n'ai pas encore vérifié cette petite partie de cette info que je vais vous donner. N'allez pas dire que la guerre partie, elle a dit c'est ça, parce que je sais comment est-ce que vous avez géré votre communication, voilà, pour pouvoir, blâmer les gens ou transformer ou, modifier, modeler ce qui n'a pas été dit. J'ai reçu l'information le matin, je n'ai pas encore vérifié que il y a l'adjoint du DG de la police qui a été arrêté. Arrêté ou interpellé, on ne le sait pas. Mais c'est qu'est-ce qu'on l'a, attrapé, on l'a envoyé quelque part pour lui poser des questions. Est-ce qu'ils l'ont gardé? Est-ce qu'ils ne l'ont pas gardé? Je n'en sais pas parce que je n'ai pas encore eu le temps de vérifier cette information. Mais je sais et j'ai eu l'information qu'il y a eu des arrestations de militaires. Au sein de l'armée, il y a des arrestations. En ce moment et à cet instant, il y a des personnes qui ont déjà été arrêtées. Pourquoi est-ce que Alassane Dramane Ouattara commence encore à faire des arrestations? Qu'est-ce qui est en train de, de déranger Ouattara? Pourquoi ces arrestations encore à quelque part? Parce que nous savons que c'est quand même, si on peut le dire un tout petit peu, c'est le quotidien de Ouattara de faire des arrestations quand nous sommes à l'approche des élections. Voilà. Il est déboussolé. Et nous le savons en ce moment et à cet instant. Et je mets quiconque au défi que ces photocopies qui est à la base des arrestations sous l'ordre de son père Ouattara. Ce sont eux qui font en train de faire que des arrestations de personnes parce qu'ils se disent que ces personnes sont en connivence, en train de planifier encore une déstabilisation
au niveau de notre pays. Une déstabilisation au niveau de la Côte d'Ivoire. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que un État en entier peut avoir comme slogan déstabilisation, atteinte à la sûreté, alors que c'est Ouattara qui a l'argent du pays, c'est lui qui achète des armes, c'est lui qui finance, voilà, comment on appelle, indirectement, les terroristes, parce que quand on prend des gens et qu'on en met dans d'autres pays, aller déstabiliser et participer à la déstabilisation de ces pays, et directement, nous devenons des financeurs de terroristes. Le mot terroriste, c'est pas dit dans un sens, voilà, seulement sur le volet de l'Al-Qaïda, ou bien sur le volet des personnes, voilà, des Arabes. Non, c'est pas dans ce sens qu'on le dit. Mais toute personne qui sponsorise, qui cautionne, qui met l'arme, des munitions, qui met des hommes, voilà, à la disposition de d'autres personnes, ou bien qui les forment, qui acceptent de former des gens pour aller déstabiliser ou participer à la déstabilisation d'un autre pays, pour moi, la guêpe, qu'on le veuille ou pas, moi, j'appelle ces gens de personnes des terroristes. Donc, aujourd'hui, nous le savons bien que il y a des armées parallèles, il y a une armée parallèle, pour ne pas dire des armées parallèles au niveau de notre pays. Nous avons connu ça avec Ahmed Bakayoko, qui avait une armée, voilà pour lui. Il y a Photocopie au niveau de Sebroko, qui a une armée. Il y a Betogo aussi, qui a une armée. Donc aujourd'hui, et en plus de cela, il y a l'armée encore, comme on appelle, française, qui est sur le territoire ivoirien. Et en plus de cela, nous avons encore l'armée ivoirienne. Et le comble de tout ça, c'est que malgré toutes ces armées, malgré tout ce que Alassane Dramane Ouattara a autour de lui, comme armée ivoirienne qui n'a pas confiance, bien sûr qu'il n'a pas confiance à l'armée ivoirienne, parce que les Ivoiriens aujourd'hui qui sont en train de mourir, les Ivoiriens qui sont traqués, les Ivoiriens qui sont emprisonnés, les Ivoiriens qui sont marginalisés, là aujourd'hui les Ivoiriens qui sont quelque part incarcérés, la plupart des militaires, ils ont leurs familles qui font part de ces personnes aussi, qui sont arrêtées, de ces personnes aussi, qui sont quelque part menacées. Donc, si nous le comprenons bien, l'armée ivoirienne aujourd'hui est, comme on le dit, elle n'est pas contente. Voilà, elle bourdonne. L'armée ivoirienne aujourd'hui n'est pas du tout. Il y a des bourdonnements au sein de l'armée. Donc, en ce moment et à cet instant T, il y a certaines personnes autour de l'armée, des gens qui ont été infiltrés au sein de l'armée ivoirienne, qui sont en train de dénoncer d'autres personnes pour des histoires de tentatives de coup d'État, tentatives et déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit haut et fort que Alassane Dramane Ouattara, qu'ils veulent ou pas, qu'ils soient d'accord ou pas, il va partir. C'est de ça qu'il s'agit. Ouattara va partir. Ouattara ne peut pas continuer à tuer. Je suis en train de peser mes mots. Ouattara ne peut pas continuer à tuer les Ivoiriens. Il ne peut pas continuer à mettre la Côte d'Ivoire dans une insécurité totale. Il ne peut pas continuer à mettre des dettes sur les Ivoiriens. Il ne peut pas continuer à menacer, à traumatiser les Ivoiriens. Il ne peut pas continuer à arrêter des pauvres innocents qui n'ont complètement rien à voir avec tout ce qui est en train de se raconter au sein de la tête. Parce que la tête de Ouattara, là, il est malade, je le dis, il est vieux. C'est la vieillerie qui est dans le cerveau de Ouattara. Nous ne pouvons pas continuer, nous ne pouvons pas cautionner, nous ne pouvons pas valider qu'en ce moment et à cet instant T, nous avons une personne qui a violenté, qui a saccagé, qui a modélé, qui a changé, qui a fait une injure à nos points finir à tout un peuple en venant modifier notre constitution. La constitution qui est le noyau de tout État. Ouattara a brigandé la constitution de notre pays. Il est venu brigander un troisième mandat qui a fait couler le sang des Ivoiriens. Qui a fait couler le sang des Ivoiriens. Et il veut encore aller brigander encore un quatrième mandat anticonstitutionnel. We're not okay with that. And I'm telling you, I am sick of those people trying to convince themselves that Ouattara is the best for the Ivorian people. I am sick, and we are all Ivorian sick of people thinking that Ouattara is the best for us. I am sick of all of that. He killed the Ivorian people. He's a dictator. He's putting people in jail.
sommes fatigués. Nous sommes fatigués de ça. Nous ne devons plus accepter. Nous ne devons plus cautionner le quatrième mandat de Alassane Dramane Ouattara. Ne doit pas. Je le répète. Le quatrième mandat de Alassane Dramane Ouattara, ça ne passera pas. Qu'il le veuille ou pas. Le quatrième mandat de Alassane Dramane Ouattara, il va passer sur le corps des Ivoiriens. Je vous parle fort ce matin. Parce que je le dis haut et fort à qui veut l'entendre, que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à Ouattara. Et c'est ça aussi qui est la vérité. La Côte d'Ivoire n'est pas une propriété privée de la famille Ouattara. Nous sommes fatigués. Combien d'Ivoiriens qui continuent de subir cette manigance, cette marmaille, cette marginalisation, cette incarcération à ne plus finir. Des mères en train d'élever seuls leurs enfants. Pourtant, ce sont ces personnes qui ont mené le combat pour Ouattara. Il y a d'autres qui ont mené le combat pour Ouattara. Il y a d'autres qui ont mouillé le maillot pour Ouattara. Nous ne sommes pas d'accord que le nom du président de Roque Gbagbo n'est pas sur la liste. Car ce ne serait qu'il pas pour Guillaume. Non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord que le RHDP de Alassane Dramane Ouattara, ce brigand notoire, en train de recenser, recruter, enrôler des personnes mortes sur des listes électorales pendant que des personnes vivantes, comme le président Roque Gbagbo et Guillaume Soro, ne sont pas sur la liste électorale. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal que le nom du président Laurent Gbagbo, qui a été condamné 10 ans à quitter, s'il vous plaît. Vous trouvez que c'est normal que son nom ne soit pas sur la liste électorale? Mais nous avons le nom des morts. Nous avons le nom des personnes qui ne sont même plus en vie, qui se trouvent sur la liste électorale. Et on nous donne encore un mois pour réviser une liste électorale. Une liste électorale marmaillée. La CEI qui a la guise de Ouattara. La CEI qui est placée. Commission électorale indépendante n'est pas indépendante. Elle dépend des ordres de Ouattara. C'est ça qui se passe dans notre pays. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça que nous pouvons aller. Nous ne pouvons pas aller à des élections. Cette CEI n'est pas du tout correcte, conforme à notre constitution. Nous ne pouvons pas aller à des élections libres et transparentes. Nous ne pouvons pas. Et pendant que nous sommes en train de dire avec ça, on nous balance une histoire de Kone Zakaria a été arrêté au Mali. Je vois tout en problème autour de ça. J'ai fait un direct où j'ai eu à dire que le monsieur n'a jamais été arrêté. On découpe des parties de mon direct et on va déposer. Ah, vous avez vu? Même la guerre pas confirmée. La guerre pas confirmée quoi? Allez regarder mes directs dans l'intégralité. Arrêtez de faire des intox. Et je le dis, nul n'a la permission de télécharger mes directs pour mettre, faire des découpages, aller mettre sur les TikTok ou aller mettre sur des YouTube ou aller mettre sur Facebook. Mon service de com, les administrateurs de mes différentes pages, Facebook, TikTok et YouTube, sont en ce moment et à se sentir. Je leur ai donné l'autorisation de signaler. De signaler. Quand je veux signaler tes droits d'auteur sur tous mes directs. À partir d'aujourd'hui, vous voulez partager mes directs. Vous partagez à travers le lien. Plus de télécharger mes directs sur YouTube, sur TikTok ou sur Facebook. Parce que vous serez sanctionné par des droits d'auteur. J'en ai marre que les gens viennent prennent les directs. Aller couper et prendre les parties qui les arrangent. Et tout ça, ce sont les gens du RHDP qui le font. Et nous sommes fatigués. Kone Zakaria, il est le petit des problèmes des Ivoiriens. Je le dis à qui veut l'entendre haut et fort. Kone Zakaria est le minime de nous, nos problèmes. Pour le moment, il ne nous dérange pas. Il dérange Ouattara. Parce qu'il a tué pour Ouattara. Il a saccagé des familles pour Ouattara. Des personnes ont été égorgées. Il a fait pour Ouattara. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même, sa propre bouche qui a dit que le combat de cette rébellion, lui-là, il le fait au nom d'une seule personne.
Et pour la personne pour laquelle il est en train de mener le combat, là, le nom, là, c'est Alassane Draman Ouattara. Allez encore regarder dans les archives. Donc, Kone Zakaria, il est le minime de nos problèmes en Côte d'Ivoire. Arrêtez de nous emmerder. Quoi? C'est les gens du RHDP. Oui, j'ai eu l'information. Ce sont les gens du RHDP. Ce sont eux qui ont lancé cette information pour détourner les Ivoiriens. J'ai arrivé à un certain moment donné, je vous en prie. Soit on est bête, soit on veut aller de l'avant, soit on est complètement, on est invalide. Nous voyons tous dans le jeu de communication qui est en train de se passer avec le RHDP. On en lance des détox. On essaie de troubler, détourner les Ivoiriens des réalités des problèmes. Et ça, il le faut tout le temps. Même avec les influenceurs, vous les voyez à un certain moment donné. Boum, 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 telle personne fait parler avec telle personne a fait, telle personne a cassé maison de telle personne. Tout ça, ce sont des buzz. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés pour ça. Pour amuser la galerie. Puisque les Ivoiriens, c'est l'amusement. Les Ivoiriens, c'est que c'est le jeu. C'est le show. C'est être en joie. On a tendance à négliger tout. C'est ce qui est en train de se passer. Lancer de fausses informations. Détourner les Ivoiriens des réalités et des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Kone Zakaria, il n'est pas encore notre problème. Il ne nous dérange pas pour le moment. Il ne nous dérange pas. Le vrai problème des Ivoiriens, ce que les Ivoiriens doivent, les Ivoiriens intelligents, cette génération consciente, qui doit faire cette politique autrement, mais qui veut la faire intelligemment. Cherchons d'abord à ce que Ouattara puisse refaire cette CEI. Cette soi-disant connexion électorale indépendante qui n'est pas indépendante, qui dépend des ordres donnés par Ouattara. Allons mettre la pression pour qu'on puisse revoir cette CEI. Et de deux, mettre le nom du leader Soro Guillaume et du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Permettre à ces personnes de participer aux élections. Je le dis, qui veut l'entendre? Aucune élection présidentielle n'aboutira librement, sans bamba, s'il n'y a pas le nom du président Laurent Gbagbo de Guillaume Soro. Je le dis. En Côte d'Ivoire, s'il n'y a pas le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, il ne peut pas se présenter en tant que candidat. Je vous dis, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Je suis en train de vous parler fort. Hein. Je vous parle fort. Il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire tant qu'il n'y a pas le nom du président Laurent Gbagbo de Guillaume Soro sur la liste électorale. Vous voulez douter? Vous voulez douter? Ne doutez même pas. Ne doutez même pas. Ouattara peut tuer tous les Ivoiriens, mais il ne peut pas tuer tous les Ivoiriens. Ceux qui étaient là en 2020, aujourd'hui 2025, on approche là. C'est une nouvelle mentalité. Nos petits frères qui étaient là avant, là, qui n'avaient pas compris, là, ils ont compris beaucoup de choses. On ne peut pas nous bébé. 2025, il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire tant qu'il n'y a pas le nom de Guillaume Soro et du leader et du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est bon, la guerre qui est parlée. Ce que Ouattara veut faire du pays, là, on va tous être assis là, puis on va le regarder. C'est Bamba qui veut créer dans le pays là. On va le regarder. Moi, je suis très réaliste. Je suis très réaliste. Je vais vous dire les choses comme elles sont. Je vous dis les choses. Ce n'est pas une menace, hein, mais je vous dis réellement ce qui se passe, ce que les Ivoiriens sont en train de dire, comment les Ivoiriens sont en train de s'exprimer sur les différents panels, les TikTok, les messages, les vidéos, les directs, ce que les Ivoiriens sont en train de dire là. C'est ça, je suis en train de vous répéter cela. Et quand je m'assois, je fais moi-même mon analyse personnelle. J'en déduis que la Côte d'Ivoire ne pourra pas aller à des élections libres et transparentes tant qu'il n'y a pas le nom du président Laurent Gbagbo et du leader générationnel Soro qui va fournir Guillaume sur la liste électorale. Et leur permettre de parler. Nouvelle CEI. Tant que cette CEI-là n'est pas, on n'a pas revérifié cette CEI-là, nous allons retomber encore dans le chaos. Nous allons retomber encore dans l'insécurité.
Et je vais vous donner, hein, je vais vous faire une révélation avant de vous laisser ce matin. La plupart de tous les membres, les ministres de Ouattara, tous ceux qui se la pètent à vouloir manquer de respect, à raconter leur vie de merde et de bordel, eux tous là, ils sont en train de sécuriser leur famille. Ils sont en train de sécuriser leur famille. Il y a d'autres qui ont leurs enfants qui ne sont même plus en Côte d'Ivoire. Nous sommes même pas en 2025. Hein. Ils ont leurs enfants qui ne sont même pas en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres qui ont payé des maisons en Europe, hein, qui ont payé des maisons aux États-Unis ici, qui ont fait sortir leurs enfants, leurs petits-enfants. Parce qu'ils savent que le bordel qui est en train de se passer là, c'est qu'eux-mêmes, ils ne sont pas sereins. Quand on est serein, on ne fuit pas, on ne s'apprête pas à fuir. Quand tout va bien, on ne s'apprête pas à fuir. Ils ont déjà fait sortir leur famille. Vous avez fait sortir vos familles, mais vous-même là, vous êtes là. Vous-même, vos familles là, faites sortir vos familles, mais vous-même, vous êtes là. On sait où vous mangez. Vos familles ne nous ont rien fait. Personne ne va s'attaquer à vos familles. Non, personne. Mais vous-même là, vous pensez que vous allez foutre la merde et le bordel et que vous allez partir. Vous n'irez nulle part. Le gangbo que vous voulez mettre dans le pays là, vous allez rester là et que vous allez assumer. Je répète encore. Vous pouvez faire sortir vos familles, vos femmes, vos enfants, certains, vos hommes et vos enfants, vos petits-enfants. Mettez-les à l'abri. Mais vous, là, le bonbon que vous avez créé, là, vous avez participé, là. Vous allez rester là, puis nous allons gérer ça ensemble. Personne ne sautera une clôture encore dans notre pays. Avec ou sans l'armée française. Avec ou sans une base française. Ouattara, là, il va connaître son sort. Je le dis haut et fort. Bazoum, là. Aujourd'hui, on parle de Bazoum dans le passé. Hein. N'est-ce pas? Il avait une base française. N'est-ce pas? Mais ça n'a pas empêché les gens de Siri Bazoum. Sans bruit. Aujourd'hui, là, nous parlons de Bazoum dans le passé. Dans le passé. Donc, que Ouattara continue. Moi, je ne suis pas une hypocrite. Je vous dis tout le temps. La vérité, là, elle rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Vous pouvez ne pas être d'accord avec la guêpe. Mais je le dis haut et fort à qui veut l'entendre, que ce qui s'est passé en 2020 ne se passera pas en 2025. Écrivez. Ce que les Ivoiriens ont accepté en 2020, les Ivoiriens ne l'accepteront pas en 2025. Ils ne l'accepteront pas en 2025. Que ça soit net, clair et limpide dans la tête de tous les Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Clair, net et limpide dans la tête de tous les Ivoiriens. 2025, c'est un nouveau concept. Et ce nouveau concept-là, Ouattara ne sera pas dedans. Il ne sera pas dedans. C'est moi là que j'ai parlé. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Vous passez une excellente journée et que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala.